Salut à tous, désolé pour l'apparence de mon visage, là je suis enfin j'ai mon rideau qui me protège du soleil, comme mon appartement est plein soleil le soir, ça me donne une apparence de boutonneux. Bref, comme si j'avais pas fini, mon acné juvénile. Après 43 balais, ça ferait mal. Donc là, cette fois-ci, je vais vous parler d'une distribution qui s'appelle la Nutix. Bon, si vous suivez un peu ma chaîne, vous la connaissez. La 8.3 est arrivée à la quatrième version de développement, donc c'est la 8.2.94. Nutic, enfin Nut, qui développe, enfin Thierry Nutens, alias Nut, pas facile à dire, qui développe la Nutix, qui est une distribution basée sur la Linux from scratch avec des paquets compilés. Donc on peut dire que si vous considérez qu'Arch Linux c'est déjà bien, bien lourd, là on atteint un niveau inférieur, enfin on atteint un niveau encore plus puissant de oufitude. En gros, c'est pour les utilisateurs, les vrais, ceux qui ont du poil au menton. Par contre, pour les utilisatrices qui ont du poil au menton, je vous conseille d'aller voir un endocrinologue, il y a quelque chose qui cloche au niveau de vos hormones. Donc, trêve de plaisanterie. J'ai récupéré l'ISO de la 8.2.94 qui pèse 225 mégas. Donc, la vidéo sera divisée en plusieurs parties. La première, ça va être l'installation de la base. Très rapide. Sur cette base, je vais rajouter Xorg, LibreOffice, les couches audio, Firefox et Network Manager. Ensuite, je vais cloner par deux fois cette base, bon, étant la machine virtuelle, la cloner par deux fois, faire une installation avec Maté, faire une installation avec KDE Plasma. Voilà. Donc, je suppose qu'il n'a pas pris pour 1 heure d'enregistrement. Je vous mettrai nos raw data et compagnie. Et s'il y a des liens, s'il y a besoin de liens dans le descriptif, je les mettrai. On est parti! Ouais! Donc ça, on réduit. Donc j'ai pris la version 64 bits. Le noyau, c'est un 498, donc assez récent. Vous allez voir que l'installation est terriblement longue. Si on l'a fait en 5 minutes, c'est tout, c'est fini. Donc déjà, je choisis le français. Touche F pour gagner du temps. Bienvenue sur la Nutix, blablabla. Donc je partitionne en DOS. Donc, il me faut deux partitions, une de. Non, une seule partition, mais j'en joue du swap. Je suis têtu, il est reconnu automatiquement le swap. Enfin, il était reconnu à la version 8.2. Amorçable. Et le reste, on va créer une nouvelle partition de 4 Go qu'on va mettre en swap. Voilà. Ça, c'est fait. On formate. On va mettre l'X64. Donc, en gros, on a déjà fait la moitié de l'installation de la base. Si, si, je vous jure, vous allez voir. La base de base. Après, il faut rajouter des trucs. Mais la base de base, on a déjà fait la moitié. On installe. On est go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 secondes pour installer le système de base. Oui, la base avec le compilateur et tout le bazar est en place. Là, on installe le gestionnaire d'amorçage. Et là, l'ensemble installé démarre. La preuve. Oui! J'aime quand une opération se déroule vite. Donc là, on prend le bon clavier. Ok, on accepte. J'appuie sur touche espace pour activer ça. Ok, on accepte, accepter. Donc on crée le nom utilisateur avec le nom complet. On va mettre une mise à jour automatique, même si on n'a pas beaucoup pour le moment. Voilà, donc le réseau s'active et on peut se connecter. Par contre, il n'y a pas d'accès direct à route. Il faut passer par sudo. Très bonne idée. Voilà, donc déjà, première chose à faire, on fait sudo cards. Cards, c'est le gestionnaire de paquets. Sync, on va synchroniser les bases de données. Je vais passer le gestionnaire de paquets en français. Cards install cards.fr. Vous allez voir la vitesse d'installation. Boum, fini. Bon, c'est un petit paquet.
Non, maintenant, si on fait Cards Update, par exemple, je fais une faute de frappe, et vous avez toutes les options. Base, config, bon, je vous laisse. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant quelques secondes, histoire de lire toutes les options. Voilà. Et là, je vais voir si c'est des upgrades. Oups là, pardon. De mise à jour, aucune. Donc, je vais voir s'il y a des différences. S'il n'y a pas un problème, aucune mise à jour à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est installer Xorg, LibreOffice, Network Manager, avec son applet, Firefox. Bon, je vous montre, je vais faire ça, ça sera plus simple, comme ça que je vais faire sudo cards install Xorg, LibreOffice, Firefox, Alsa Utils, pour voir du son, Pulse Audio, parce que Pulse Audio est disponible. On va rajouter VIM, ça mange pas de pain. Network Manager, Applet. Il sera utile pour la version matée. J'ai oublié un truc, je me suis pris des notes. Ok, c'est bon, j'ai rien oublié normalement. Donc là, il est 16h58. Je mets la vidéo en pause. Voilà. Et on va voir le temps qu'il met à mettre faire l'installation. À tout de suite, je pense qu'il y en a pour 10 minutes. Nous voilà de retour 7 minutes plus tard. J'avoue que c'était plus rapide que je le pensais. La première chose, on va demander à Nutix d'installer, d'utiliser Network Manager. Sysconfig Network. Vous utilisez Nano si vous préférez utiliser Nano. C'est très simple, on va aligner Manager et on intéresse. On a ça ce qu'on a envie. Donc je vais mettre Network Manager. Voilà. Outil que j'avais oublié auparavant. XDG User DRS Utils. Donc sudo cards install XDG User DRS. Pour avoir les répertoires, documents, images et compagnie. User DRS. Donc là, je mets un petit XDG User IRS Update. Oh, j'ai dit répertoire utilisateur. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'avais oublié aussi? Le réseau s'est fait. J'ai oublié un truc, mais je ne sais plus quoi. Donc, c'est bon. Je pense qu'on peut fermer la machine virtuelle. Sinon, je rajouterai à chaque fois dans les machines correspondantes. Donc, on fait sudo alt-p. J'oublie un truc, mais je ne sais plus quoi. Là. Ça me reviendra sûrement. Donc là, on va cloner cette machine. Ça sera pour mater. J'espère que le clonage ne va pas être super long. Le plus simple, je remets en pause et je reviens quand le clonage est terminé. Quoique, vu la vitesse de clonage, je sens que c'est même pas la peine. Désolé, j'ai faim. Un clone qui prend à peine 1 minute à faire, c'est que vraiment l'image en fait disque est très petite. Et un petit caveau au passage, à la bonne vôtre. On fait de même pour la version Plasma. Vous comprenez maintenant comment on peut se faire se créer une base, se la cloner à volonté. S'il y a X environnements à tester, ce n'est pas la peine de refaire à chaque fois la même chose. Voilà.
puis qu'on ait des clones qui étaient beaucoup plus lents. À 5 minutes pièce. Voilà. Donc, on va attaquer l'installation de Mathé. Et on va voir déjà la taille de l'engin installé, en sachant qu'on a Xorg, qu'on a LibreOffice, Firefox. Donc on va voir combien ça mange déjà au démarrage. Alors on se connecte. Et n'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule partition, donc on va savoir très vite la taille prise. Pardon. Vu ce qui est installé, c'est pas excessif. Donc là, pour installer Mathé, c'est get ou cards, sudo cards install. Mathé, Mathé extra. On veut gérer les clés USB, GVFS et LXDM, étant donné que c'est apparemment le seul gestionnaire de fenêtres, enfin gestionnaire de connexion fonctionnel. Et là, on va voir combien de temps ça va mettre. On va dire 3 minutes. Parce que c'est net que pour l'installation de KDE, je couperai. Je vais pas me faire d'attendre un quart d'heure. Et comme ça, ça vous permet de voir la vitesse d'installation de cartes. Ça dépote. Enfin, il y a un bon serveur en face, ça aide. Donc il installe pas mal de petits trucs apparemment. Vous comprenez pourquoi ça n'a pris que en gros 7 minutes ou 8 pour installer LibreOffice, Firefox et compagnie. Quand on voit la taille de vitesse d'installation de l'engin là, ça fait peur. Contre l'antidopage. Je sais que Mathé est un environnement assez rapide à installer, donc je ne suis pas étonné de la vitesse d'installation de l'ensemble. J'aime quand un gestionnaire de paquets sait allier vélocité et solidité. Et comme disait un célèbre personnage d'une série américaine des années 80, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Pour la personne qui trouvera, elle aura droit à toute mon estime. Voilà. Et là, elle stacke déjà la post-installation. Waouh, que c'est long. Donc, il y a peut-être un paquet que je n'ai pas oublié de mettre. Enfin, j'ai pas oublié, pardon. J'ai oublié de mettre. Que je n'ai pas installé. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est quand même assez rapide, c'est agréable. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant on peut faire. On va redémarrer l'ensemble. Ah non, c'est vrai, je vais vous installer SoundSem Free Desktop. Je crois que c'est comme ça. Pour avoir les sons système. Ça me permettra de voir si le son fonctionne. Full desktop. Voilà. Et maintenant, je fais un sudo reboot.
faire prendre en compte directement l'XDM. J'aurais pu faire autrement, mais là, vu la vitesse de démarrage du Nutix, je peux me le permettre. Et c'est bien sûr une distribution, comme vous l'avez constaté, qui n'utilise pas systemd. Voilà, pour les personnes qui n'aiment pas systemd, vous avez un choix de plus. Donc là, on va passer en plein écran. Donc, on choisit le bureau maté, on vérifie que c'est bien en français, le clavier, voilà, et on se connecte. Donc, il n'y a plus qu'à mettre le son, la sordine, on va lui sortir, voilà. On va mettre le son au maximum. Et on va tester le son pour voir si ça fonctionne. Bon, mais le son fonctionne, ça, on en a la preuve. Donc, on va voir si les outils bureautiques. Ah, très bien, donc on a les icônes LibreOffice, parfait. Firefox, Cara. Donc, on va lancer Firefox. On va voir déjà s'il se fout en anglais ou en français. Et si ce fout en anglais, si on peut facilement le passer en français. Donc, il est en anglais. On va voir dans les extensions. Ah, intéressant. Très intéressant. Donc, on va voir si en redémarrant, notre ami Firefox parle français. J'aime quand l'informatique fonctionne. Donc ça c'est bon. Alors nous allons voir pour LibreOffice. C'est bien en français aussi. J'en profite aussi d'ailleurs pour mettre. Voilà, modifier. Voilà. Oh! Oh, LibreOffice qui parle en français, que c'est bon ça. Oh, que c'est bon. Oui, continue, change main, ça vient. Désolé. Donc, c'est une version 5.2.5. Très bien. On va changer le thème parce que là. Alors, l'apparence. On va mettre notre fond d'écran. Pour les amoureux des thèmes sombres, voilà. Et on va prendre. Celui-là pour changer un peu. Voilà. Donc, bureautique, c'est bon. Accessoires, c'est bon. Donc, on va savoir si c'est un Mate GTK 2 ou 3. On fait Cards Info Cara, par exemple. Et on apprend que c'est GTK 2. Dommage. Bon, ben, je suppose que la migration vers GTK 3 fera très mal. Donc, ensuite. Dans les outils système, ok. On va voir si Cube s'est lancé par défaut ou pas. Cube s'est lancé par défaut. Ah, je vais voir si HP, le HP Toolbox. On va faire Cards Search. HP Lib. Ah, très bien. Get HP Lib. J'adore la vitesse, la lenteur de l'installation de Cards. Donc, il nous installe la dépendance. Qu'est-ce que c'est long! Oh là là! On a le temps de faire un marathon et de revenir. Donc, pendant ce temps-là, je vais. Chercher un album de musique sur Alter Music pour voir le support du MP3, s'il est bon. Alors, Internet. Altermusic.org.
N'importe lequel, on s'en fout. C'est celui-là. Il m'inspire. Punk méticuleux. What the fuck? Allez, tu m'enregistres ça. Du punk méticuleux, c'est la première fois que j'entends parler de cette appellation. Je croyais avoir entendu parler de toutes les appellations possibles et imaginables. Alors, je vais voir si il va installer. Je vais voir s'il est installé. Alors, je vais voir si HP peut bien se lancer déjà. L'icône qui manque, mais tant pis. Hein. On va déjà voir s'il veut bien se lancer ou s'il manque le. Ouais, il en manque un paquet. Alors, cards, search, Python, grep, Qt5. Alors, peut-être ce Python Qt4. Python. C'est peut-être la version Qt4 qui est développée pour, enfin, qui est utilisée par Nutix pour HPLib. Enfin, c'est tellement long que on peut se le permettre. Est-ce qu'il a mené du progrès? Ouais, bon, mais d'accord, j'ai compris. D'accord, il fallait juste installer le paquet HP. Bon, ça, c'est un petit bug qu'il faudra que je rapporte sur le GitHub. Donc, si vous avez une imprimante HP, on va garder ça ouvert par sécurité. Donc, là, oui. Donc, il n'y a pas de quoi débattre, par contre, apparemment. C'est vrai que c'est une petite communauté, donc il n'y a pas tous les logiciels qu'on voudrait avoir. Ce n'est pas bien grave. Donc, on va remplacer par Rhythm and Box. C'est un peu plus lourd, mais. C'est pas super long à installer. Et pour la vidéo, je crois qu'il y a VLC, donc on va faire get VLC. Alors on va voir si notre ami. Donc on va déjà extraire les fichiers. Ici. Ah, d'accord. Zip et unzip ne doivent pas être pris en compte. Dommage. Donc je vais rajouter zip et unzip. C'est quand même dommage qu'il n'ait pas été installé. Un autre rapport de bug. Pardon. Donc, get zip et unzip. Comme ça, au moins, on pourra toujours gérer les archives zip, qui sont quand même répandues. Dommage que ça ne soit pas installé par défaut. On peut le mettre en dépendance ngrappa. Voilà. Bref, donc, on va mettre ça dans mon sec. Ah! Un moussica. Pardon. Donc, on va voir si le support audio est bien passé. Ok. Bon, ben. Je pense qu'on a la preuve que le support audio fonctionne. On va voir ce qu'il nous dit pour la vidéo. Parce qu'apparemment, il y a VLC, donc je ne sais pas quelle version c'est de VLC. Tiens. Où tu passes VLC? Bureautique, éducation, graphisme, internet. Peut-être que dans mon zoo. Petit.
Le petit WC, demandez à l'accueil, WC, merci. Ah, il est là. Donc, on va juste le réactiver. Bon, on va essayer de l'installer comme ça. Ok, mais je sais pas pourquoi c'est pas mis dans le pot, dans le menu. Oula, d'accord, c'est une version Git. Pourquoi pas, étant donné que WC prend un temps infini à sortir sa version 3. Hein. Donc, mais que du bon, mis à part l'absence sur la petite Logitech et l'absence de zip and zip par défaut à l'installation. Mais sinon, c'est que du bon, quoi. C'est du très bon. Donc là, on va éteindre. Donc pour mater, à première vue, c'est du très bon. Mis à part l'absence, bien sûr, de certains outils, c'est du très très bon. Allez, on va passer à la légèreté incarnée. Plasma. Allez, on est parti. Donc, comme pour WC, donc là, par contre, je vais gagner quelques instants. Je vais rajouter Zip and Zip. Comme ça, moi, je suis sûr qu'ils sont installés. Après, je vais passer à l'installation de Plasma. Voilà. Donc, on se connecte. Tadalala, soin de soin. Je vais déjà voir s'il y a SDDM qui existe. Ou est-ce qu'il faudra que je me contente de. Donc, j'installe XDM déjà. Ça sera déjà fait. XDM. Zip, unzip. On va mettre get, comme ça au moins. J'aurai pas besoin de me taper le sudo. Donc déjà on a ça. Et maintenant pour Plasma, c'est get KDE5, KDE5 extra. Donc il est 17h27, je mets en pause, on se dit rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure. À toute. Nous voilà de retour 12 minutes plus tard. Je note ça pour mes archives et pour l'eurodatage. Donc là, on va pouvoir redémarrer et voir ce que donne Plasma avec Nutix. Dommage par contre qu'il n'y ait pas SDDM. Donc là, je vais passer en plein écran. Voilà. Donc là, on vérifie que c'est bien Plasma par défaut. Ok, le français par défaut. Ok. Et on se connecte. Et on va attendre 30 secondes que le Plasma se charge. Ah. Autant pour moi. Voilà, ça sera mieux comme ça. Faux démarrage. Ça va mieux. Bon, faux démarrage, ça arrive.
Ah, oula. Bon, c'est plasma. Donc, on va le redémarrer. Ça arrive là, c'est un petit bug de plasma. Méchant plasma. On va déconnecter. Bon, mais plasma m'a fait un bug. Vilain plasma! Vilain, vilain, vilain! Pas gentil plasma! Allez, à du direct! Donc, je sais pas si j'espère que Kawin va pas me faire un bug au démarrage. Allez, gentil plasma, il va démarrer plasma, il va pas me faire un bug au démarrage le plasma. Il est gentil plasma, hein? Désolé là, c'est fou là, faut la m'adouer. Là, c'est le vidéaste qui commence à péter un câble. Et qui s'attendait pas du tout à ce bug. Pas bon que pourquoi il me fait ce bug. Donc là, bizarre, on va voir ce que nous dit l'info center. Bizarre que Kawin se décide à partir en cacahuète, l'enfoiré. Peut-être est-ce que c'est lié à l'absence de des EDM, je n'en sais rien. Par contre, on a un plasma 5.9.1, Frameworks 5.30, 5.8. Donc ça c'est bien. Par contre le fond d'écran, bien sûr, on ne peut pas la... Ah! Bon, on va le redémarrer peut-être. On va le redémarrer. Peut-être qu'en redémarrant, ça fonctionnera mieux. C'est bizarre ce bug. Vilaine bête. Vilaine, vilaine, vilaine bête. Vilaine bête. Ah! Donc c'est un plasma récent, mais pourquoi Kawin m'a fait un caca nerveux comme ça? Pourquoi tant de haine? Donc c'est bien plasma, c'est bien ça. Est-ce que cette fois-ci, plasma qui met 8 jours à démarrer va me faire un caca nerveux? Je tiens à préciser que lors de mes tests préliminaires, il ne m'avait pas fait ce caca nerveux. Je tiens à le préciser, comme ça vous êtes au courant. C'est peut-être aussi l'absence de SDDM qui fait ça. Peut-être que oui. Enfin, on verra ça si Plasma veut bien se charger cette fois-ci, sans me faire un caca nerveux. Allez, gentil, Kawin. Il va pas me planter dans les doigts, Kawin. Il va pas me faire ça, le saloperie, hein? Désolé. Allez, démarre. Il y a deux genres de personnes dans le monde. Ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Désolé, c'est la réflexion de Blondin dans... Bon, il a décidé de m'ennuyer jusqu'au bout. Donc là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas démarrer.
Alors qu'il fonctionnait très bien dans mes essais, lampe à feu. Donc je vais peut-être éteindre tout court et le redémarrer. C'est vraiment parce que je voulais vous montrer le plasma, quoi. Donc, si en le redémarrant complètement, est-ce qu'il va me faire encore ce caca nerveux? Là, ça commence à me chauffer les oreilles. C'est dommage parce que dans mes essais préliminaires, il fonctionnait très bien, son foiré de plasma. Donc, s'il me plantait de nouveau dans les doigts, ben, là, je pourrais dire que plasma, j'aurais bien voulu le tester, mais cet enfoiré n'a pas voulu démarrer en enregistrement. Petit canaillou, va. Donc là. C'est bien plasma. Ok. FRFR. Ok. C'est quand même dommage que ce DDN ne soit pas disponible. Alors, troisième tentative sera la bonne. Mais j'ai quand même l'impression que la troisième tentative, ce ne sera pas la bonne. Alors, Kawin va-t-il cracher ou pas cette fois-ci? Question existentielle. Je le sens arriver le crash. C'est une version bêta, mais quand même, ça serait étonnant que dans mes tests préliminaires, Kawin se lance sans problème et que l'enregistrement, il se plante. C'est pas la peine. Redémarrer l'application peut-être. Pourquoi Kawin a décidé de me planter la tronche? Ah, moi je fasse le test de Kawin. Mais c'est pas possible, bordel. Là, je suis vraiment écœuré parce que ça fonctionne très bien. Alors. Bon, mais ne veut pas passer. Dommage, j'aurais bien voulu vous montrer KDE sous plasma, mais là, enfin, KDE sous Nutix, mais ne veut pas fonctionner. Et bip! Donc je ne sais pas pourquoi cet empaffé de Kawin a décidé de me planter la tronche maintenant. Est-ce que c'est un bug de la machine virtuelle? Est-ce que c'est un bug de la Nutix? Est-ce que c'est un mélange des deux? Je n'en sais strictement rien. Donc, ma conclusion sera un peu moins bonne que j'espérais. Dommage que Kawin se plante à répétition en machine virtuelle. Je ne sais pas si c'est encore un bug de la version bêta de Nutix. Parce qu'elle a très bien fonctionné au démarrage de mes tests préliminaires. Maté fonctionne très bien. Dommage qu'il n'y ait pas SDDM pour lancer Plasma. Peut-être que c'est lié à ce bug-là, je n'en sais rien. Bon, c'est une bonne préversion. Il reste encore des bugs, comme vous avez pu le voir. Dommage que Plasma plante comme un Windows Millennium sous amphétamine. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Désolé pour la fin de la vidéo. Bye bye.